La méthode Jean Frelat est une méthode globale de relaxation, de récupération fonctionnelle et de renforcement musculaire. Basée sur l'étirement en douceur et la résistance à l'étirement, elle agit sur la musculature, la proprioception et le rééquilibrage postural. Inventeur, entraîneur sportif, concepteur et constructeur de vélos sur mesure pour les champions internationaux, Jean Frelat a également consacré une grande partie de sa vie à concevoir des solutions pour renforcer la musculature des sportifs, mais aussi pour soulager les maux de ses contemporains, douleurs dorsales, handicap moteur, incontinence urinaire. Il a travaillé en étroite collaboration avec des médecins, des kinésithérapeutes, des entraîneurs et des universitaires. Evolis est une nouvelle approche de l'activité motrice et du travail musculaire, utilisant principalement la contraction musculaire excentrique. À la différence de la contraction musculaire concentrique et isométrique, lors de la contraction excentrique, les chaînes musculaires s'étirent et se contractent simultanément, fonctionnant comme des freins. On va démarrer dans une phase de rotation avant et au bout d'un certain temps, on changera le mode de rotation et on le mettra en arrière de façon à avoir un travail rééquilibrant dans les deux sens, puisque les deux sens apportent effectivement quelque chose de très intéressant au niveau du bassin où on va être en rétroversion et en antéversion. Cette phase passive va se poursuivre ensuite par la phase active, le mode actif qui est un mode de travail musculaire qui va jouer effectivement sur l'ensemble des chaînes musculaires. Cette méthode de travail en position antigravitaire permet d'agir sur l'enveloppe musculaire dans sa globalité, tant sur les muscles superficiels que profonds, en favorisant une meilleure vascularisation. La résistance se fait de façon réflexe et spontanée, au moment de l'extension des membres inférieurs et supérieurs. Les muscles retrouvent tonus et souplesse. Les articulations se libèrent progressivement. Cet acte inconscient fait appel au réflexe archaïque proprioceptif qui sera ensuite relayé par la volonté de l'utilisateur, permettant le maintien et l'accompagnement de cette résistance jusqu'à la fin de la période d'extension. Grâce à un travail actif égal au temps de repos, la sollicitation cardiaque est minime et non pénalisante. Le sujet travaille sans effort, selon son potentiel et ses besoins.